Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zebus, nous voilà sur la suite de Dwarf Fortress. On demande à nos nains de faire 2-3 petites choses. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, c'est toujours plaisant. Ils vont pouvoir manger. Ils vont pouvoir manger à leur faim. Candle Nut Table. Yes. On va réserver l'une des chaises pour notre... comment ça s'appelle ? Pour notre manager, bien sûr. Voilà, expédition leader. Il a tous ses requirements. Et ça va être très bien. Là, ce qu'il va nous falloir aussi, c'est les settings du bookkeeper, hein, comme d'habitude. Il va passer du temps à faire l'inventaire, mais au moins on aura les comptes exacts, ça permet de calculer plus facilement son organisation. On est bon. Ça allait être un temple. Ah, rien en particulier. Comment il s'appelle le temple ? The Famous Scratch. Ouais, ça me plaît moyen en fait. Rename location. L'hôtel des ours. L'hôtel des ours, c'est classe. Et c'est important d'avoir des trucs comme ça, genre hôtel ou temple, ou ce genre de choses que je me pose pas de questions quand je vois les trucs s'afficher. UMQ. Mood. Cher 4, ça va être bien. Ça avance, c'est parfait. On va pouvoir poser les lits. Le Stonecrafter a un autre job. J'ai fait de la merde ou quoi? Non, expédition leader, oui, non, non, là, il est en job, ouais, ils ont tous des jobs, parfait. Là, on va pouvoir voir, on a de la boisson, on a les plantes qu'il faut, on a tout qui va bien, Z, kitchen. Bien sûr, on n'a pas le droit de cuisiner l'alcool. Architecture, tu seras aussi en mécanique. B, W, R, T, mécanique. Voilà, parfait. Before bed. Là, on est bien. On a sorti... Ah, c'est du gypsum. On va pas pouvoir l'exploiter, ça, c'est dommage. Mais c'est la vie. Nous n'allons pas nous en plaindre. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un marché direct. Trade dépôt. En conglomérat. On va plutôt se le faire en bois. Voilà, parfait. Dès qu'il aura fini de mettre à jour les updates, les records, les registres, dès qu'il aura mis à jour les registres, il va s'occuper de ça. Et on va laisser notre... le stick qui a du bois là, faire tout ça. UMQ, rock, mug, rock mug, 5 rock mug, et ici, settings. C'est fou, non. Les gobelets, voilà, c'est ça. Parfait. Comme ça, ils vont laisser les gobelets ici, ils vont boire, ils sont pas obligés de se balader. Ça va être très bien. Il
les novices, ça lui prend du temps d'update. On peut se mettre dans une petite salle de levier ici, je pense. Ah, ça serait une petite salle de levier ici. Là, on va continuer les quartiers, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut du stockage, hein, bien sûr. Il va falloir du stockage assez vite. Je pense qu'on va essayer de descendre d'un étage. Si les cavernes m'autorisent. On va tout foutre dedans, ça va être le stockage général. Ça va être parfait. Chaise. Ok, on va venir placer tout ça. Va falloir qu'on fasse assez vite notre comment ça s'appelle notre agriculture, hein, tout simplement. On peut essayer de faire un escalier qui remonte et on se tape l'agriculture, ouais, sur cet étage là ça marcherait bien, ça marcherait même très bien. Ouais, vivement qu'on ait le passage. 3 mois, les 3 mois de printemps. On va bientôt arriver à l'été normalement. Et avec l'été, 2 nouvelles personnes. Une fois qu'on a fini le stockage, on va agrandir les chambres, bien sûr. 7. On va en faire 17, comme ça j'aurai 20 couchages. Normalement on est quand même assez large. Faut pas déconner. Je vais pas faire les Infini Stockpile de suite. On va les faire après. Ça va être très bien. Je pense qu'on n'a pas l'espace de les faire là. Et je pense qu'on va... On va faire les chambres supplémentaires et on va faire les fermes d'abord, histoire de lancer la prod en plein pelmètre. On verra le reste après. Quand on aura un deuxième fermier, why not? Ça va être bien. On essaiera de se faire des petites armées, peut-être qu'on va aller se friter avec les voisins. C'est vrai que j'ai très peu fait les missions d'attaque. Genre de choses. On va essayer de créer aussi suffisamment de richesses pour être plutôt bien. Et je crois qu'on va faire des rockcraft en veux-tu en voilà. Faut qu'on fasse quelques bines aussi, ça serait bien, quelques caissettes. Alors, on va, on a dit upstairs. Thank you.
jusque là et on va aller jusque là. On aura un niveau de plus. Je pense que ça devrait être bon. Et là, on va faire quelque chose de très simple au début. Hein. Ouais, voilà ça. C'est pas très grand, je pense que ça devrait suffire. Et on va faire du pâturage là-dessus. Ouais, suivre le loustique. La fameuse microline. On a de l'hématite ici, parfait. On va avoir accès à l'acier de façon, je vais pas dire facile, mais bon. Pourquoi notre job? Tu rigoles ou quoi? Le problème. Sandwall. Les deux sont en autre job. Ah, j'ai fait un putain DJ, ouais, j'ai mis en up, j'ai toujours l'habitude de finir en up. Voilà. Comme quoi, toujours se poser la question. Ramener, ramasser le sable s'il le faut. Que les graines. Non, on est bon. Et là, on va faire le pen and pasture pour les créatures à l'intérieur. Et après ça, on va pouvoir envoyer Sparse Floor Fungus. On va attendre qu'il y ait un peu d'herbe qui se mette et après, on va commencer à y remettre les animaux. Faire le bétail. On va avoir notre vingtaine de chambres. La vingtaine de chambres, roc d'or, ça a bien avancé, on va pouvoir mettre des portes un peu partout. Orthoclasscraft, ça avance. Les lycées en cours. Ok, donc le charpentier, on va pas lui charger plus la mule comme ça. Il a déjà beaucoup de choses à faire. Qu'il puisse prier en paix. C'est important pour les nains. On va vite verrouiller cuisine, distillerie, juste pour éviter les miasmes, si jamais il doit y en avoir. Le butcher, il va être ici. De mécanismes, ça nous permet de faire les prochains, éventuellement de commencer à bosser sur les leviers ou sur la prochaine vidéo. Là, on va faire les chambres. Par contre, on cherche aussi bien sûr le magma. C'est un grand moment. C'est quoi cette merde? Dog Blood.
s'est battu contre un hippo géant. Ok. Légèrement blessé, mais ça reste léger. L'hôpital, tout, bien sûr. Hein. C'est vrai qu'on arrive à descendre ici. À partir du moment où chacun ont leur chambre, je trouve ça vachement bien. Je me dis, ah c'est bon, ils vont pouvoir faire leur petite life tranquille. Et ça va être parfait. Fini les lits, donc on va bientôt avoir le marché disponible. Et on va se concentrer aux choses importantes, hein, telles que le magma. Comment faire pour s'en rapprocher le plus vite possible? Ça sera parfait. Voilà, j'ai ouais, petite vingtaine de minutes d'épisode, c'est un peu court, je suis désolé, c'est la mise en place, mais moi je vais devoir y aller, malheureusement, IRL. Je vais tourner les épisodes en fonction de mon envie, donc c'est pas dit qu'il y en ait toutes les semaines. On va voir hein, si j'ai du temps et que ça me botte bien et que la forteresse me plaît, parce que mine de rien, ça joue énormément. Et ben, vous en aurez tout toutes les semaines, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ne demande jamais à ce qu'on m'en fasse, mais... Là, je trouve que sur le Dwarf Fortress, ça peut être une bonne idée. J'ai du mal à me rendre compte si les gens, ça leur botte de voir ce genre de choses. Et voilà, quoi, basiquement. On va s'arrêter là-dessus. Donc, prochain épisode, priori magma. Finir les chambres. Ok. Ça nous a fait arriver où, ça ? On va le programmer là, ça. J. DX, on annule les ordres dans la caverne, bien sûr.
On va laisser bosser un petit peu, juste faire dégager ça et après on va donner l'ordre. Hop. Comme d'habitude, on essaie de faire attention. Le but, c'est qu'aucune vie ne puisse rentrer dans la forêt forteresse sans qu'on le souhaite. Upstairs. Cabro, très bien. Et voilà, ça va descendre tout seul, ça va le faire. Bon, bah, ça commence à avoir de la gueule, c'est pas mirobolant, mais c'est au moins honnête. On a fermé les portes ici, on a mis des portes, on a quelques sas. Les sas, hein, toujours très important. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi, parce que c'est quand même plaisant de reprendre Dwarf Fortress. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Allez, à bientôt tout le monde et bye bye.